ça y est, c'est le moment de travailler dur. Donc, impatiente et en même temps pressée d'être au début de la compétition. On va tout faire pour la remporter. Ça va être dur, c'est compliqué. On va souffrir, mais c'est pour notre bien. Donc, on va le prendre positivement. On va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Puis voilà, on a confiance, on est tranquille. J'espère récupérer déjà physiquement, être bien, les capacités qu'il faut, retrouver les bonnes sensations. Et puis on va rentrer, je pense, dans la compétition petit à petit. Je suis contente, hein. Je suis contente. Je suis excitée en même temps. J'apprends un peu. Je me sens pas encore en Angleterre. Je pense que quand on va prendre l'avion, là vraiment, on sera dans le vif du sujet. Mais pour l'instant, bah, on va se concentrer sur la prépa. On a beaucoup de choses à travailler, que ce soit techniquement, tactiquement et physiquement surtout, parce qu'on a eu une grosse saison en club. Donc voilà, maintenant, on doit se reconcentrer sur l'objectif Euro. No pain, no gain, c'est sûr. On va devoir travailler dur et il y aura beaucoup de sacrifices physiques. Voilà, on sait qu'on va vraiment suer et on sait que ce sera bénéfique pour la suite. Plus on va travailler, plus on va souffrir en prépa, plus ce sera facile entre guillemets en compétition. Bah c'est vrai, si on va aller jusqu'au bout, aller à Wembley, gagner à Wembley, bah ouais. Hein. Ça va, Wap ? Ça va, merci. Salut ! On s'est rassemblés aujourd'hui jusqu'à samedi et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Salut. C'est parti, hein? Ça y est, enfin. Enfin. La malade. Et ça a été une très belle année sur un plan individuel, mais collectif également. Et donc maintenant, il y a un très bel objectif qui arrive. Donc il va falloir bien se préparer pour ce bel objectif. Ça y est, c'est parti. Voilà, contente de retrouver Clairefontaine. Ça faisait depuis le mois d'avril qu'on n'était pas revenu. Donc voilà, hâte de débuter ce stage et de rentrer dans le vif du sujet. Forcément, on s'attend à courir beaucoup cette semaine. Voilà, après, on est préparé et on a hâte de commencer pour bien se préparer pour l'Euro. Très bel Euro avec des très belles équipes, voilà, organisées voilà, en Angleterre, un pays que je connais très bien, que j'apprécie énormément, terre de foot. Voilà, j'ai hâte de commencer, j'ai hâte.